pas si on te voit là. Tu fais coucou à la caméra? Tiki, tu dis bonjour? Ouais. Bon allez, c'est parti. Oh, il pleut encore, purée, c'est pas possible. J'espère que l'éclairage est pas trop mauvais. Salut toi, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul, action. Ouais. Donc voilà. Attends, parce que je suis en train de faire des... C'est encore plus lourd que des... Comment ça s'appelle là? Des poids? Non, comment ça s'appelle? Je sais plus. J'arrive pas à porter le sac au-dessus de mon épaule, c'est super lourd. Oh yes! Voilà, j'ai tout ce qu'il y a dedans à te présenter, donc on va essayer de faire vite. Donc comme à chaque fois, je le dis à chaque fois dans chacune de mes vidéos, je trouve jamais rien de chez Action. Les premières fois que j'y suis allée, j'y suis repartie les mains vides. Là franchement, là pour le mois d'octobre et novembre, j'ai rien trouvé, mais rien de ce que je voulais. C'était horrible, frustrant. J'ai 5 tickets de caisse, j'y suis allée bien plus que ça, mais j'ai que 5 tickets de caisse parce que je repars souvent les mains vides. Et même là, mes tickets sont assez vides. Il n'y a que la dernière fois, parce que là on est mardi, donc j'y suis allée vendredi pour la dernière fois, que j'ai trouvé ce qui me plaisait. Là, mon ticket là, il était grand. Le caddie. Non, j'ai pas pris un caddie, j'ai pris un panier, il était rempli. Alors que les autres fois, il y avait 2-3 brigades quoi. Enfin bref, on s'en fiche. Du coup, là j'ai 5 tickets de caisse, j'ai marqué déjà tous les prix sur les produits pour éviter d'avoir à les rechercher. Et puis bah voilà, donc il y a plein de choses pour la maison et aussi du loisir créatif. Donc allez, j'arrête de parler et on passe tout de suite aux achats. Oh bah mon bébé, il a eu peur. T'es parti? Ah mon loulou, je t'ai fait peur? Tant mieux, comme ça je suis plus à l'aise. Il va me remonter dessus, hein? Ah mon pot de colle. Du coup, ce que je disais, je sais plus. J'ai commencé à faire les achats de Noël, donc du coup j'ai pris plein de papiers cadeaux. Dans le craft, parce que moi j'aime pas le... Oh putain, mais Tiki, tu fais chier, hein. Fais que des conneries celui-là, c'est pas possible. Alors j'ai pris du papier craft parce que c'est celui que je préfère. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Donc il y en a deux où il y a marqué Merry Christmas, c'est les mêmes. Il y en a deux à petits pois et j'en ai pris un bleu parce que monsieur a dit « mais non, il n'y a pas de papier cadeau pour homme » alors que ça fait mixte, hein. Non, il en fallait un bleu à tout prix. Comprendra qui pourra. Alors par contre, les prix n'étaient pas du tout les mêmes. Il y en a qui étaient à 79 centimes et d'autres à 69. Alors je sais pas pourquoi. Ceux où il y a marqué Merry Christmas, Joyeux Noël, étaient à 69 centimes alors que les trois autres là, ils étaient à 79. Pourtant, c'est exactement les mêmes mesures et tout le tralala. Donc comprendra qui pourra pourquoi il y avait 10 centimes de différence entre ces deux, tout cela. Bon, si jamais on voit rien à la caméra, je ferai des close-up après. Et pour aller avec les papiers cadeaux, même si du coup c'est pas du tout les mêmes couleurs, je vais essayer de voir ce que je peux faire, sinon j'en rachèterai d'autres. J'ai pris des étiquettes pour les cadeaux. Parce qu'en fait avant, ça fait crado, ça fait dégueulasse, ça fait moche, mais j'écrivais directement le prénom de la personne sur le papier cadeau. Avec un gros marqueur noir en plus, tu sais, pour qu'on le voit, qu'on le remarque. C'était pas génial, génial. Du coup là cette année j'ai préféré acheter des petites étiquettes. Donc là, il y en a un lot de 16 pour 85 centimes. Tout en argent et blanc. Et là, c'est du craft et blanc. Bon, je me dis, ça va ressortir au moins. Ça peut être pas mal. Je sais pas, on verra bien ce que ça va être. J'ai également pris des petits rubans pour décorer. Donc là, par contre, c'est dans les tons verts. Blanc et noir. Donc à mon avis, là, ça va vraiment très... Ça va choquer, je pense. Bref, du coup, il y a 4 petits rubans et puis des fleurs en ruban. Je pense que les fleurs, je pourrais les faire moi-même, ça doit pas être très compliqué à faire ça. Ouais, je regarde. Bref, du coup, là, c'était 99 centimes, ce petit lot-là. Voilà, me revoici avec mes voilà. Bon, du coup, je vais passer à ce qui est pour la maison. Et j'ai repris ça, parce que j'en avais plus. Et bah, Action, ils sont quand même un petit peu moins chers que dans les grandes surfaces. C'est même pas de la marque. C'est la sous-marque de Canard WC. Il y a quand même un canard. Bref, du coup, c'était 1,39€ le... Voilà, pour les chiottes. Alors ça, je suis tombée dessus par hasard et je trouve ça excellent. Après, à voir si ça fonctionne vraiment, j'en sais rien.
C'est une éponge pour la vaisselle, mais avec le manche où tu mets directement le liquide vaisselle à l'intérieur et ça t'évite de devoir recharger à chaque fois ton éponge de liquide vaisselle parce que ça tombe directement dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je trouvais que c'était plus... ça doit être plus pratique à utiliser quoi. Bon, par contre les éponges elles sont vraiment minuscules. N'empêche pour les verres qui sont étroits ça peut être pratique. Mais quand t'as des grosses casseroles, ça risque d'être compliqué. Du coup voilà, t'as une éponge là et t'en as trois en recharge ici. Et c'était combien ça? 94 centimes. Ça peut être pratique, hein. Je vais essayer, on verra bien. Éponge de vaisselle avec distributeur de liquide et 3 éponges de rechange. Usage intensif. Voilà, j'ai également pris ce petit truc là pour sceller les paquets de chips. Enfin moi je voulais l'utiliser pour ça, mais quand je regarde derrière, c'est marqué fonctionne avec la plupart des types de sacs en plastique. Donc je suis pas sûre que les chips ça fonctionne. Parce que nous à la maison j'ai 3 petits... ça me saoule, ils entament plein de choses mais ils ne finissent pas. Et une fois que c'est entamé, et ben, ils veulent plus manger. Et ça part à la poubelle, c'est du gâchis, c'est énorme, ça m'énerve. Oh j'ai envie de les claquer quand ils me font ça, putain. Pardon, excusez-moi, je déteste le gâchis, ça me met hors de moi. Du coup je me suis dit que pour sceller les paquets de chips ça pourrait être pratique. Mais apparemment ça fonctionne pas. Enfin si, parce que là il y a marqué mon paquet de chips. Mais c'est pas du plastique, alors je sais pas si ça fonctionne vraiment. Je vais essayer, on verra bien. C'était 3,39€ le petit machin là. Ce petit truc. Je vais voir si ça fonctionne. Donc c'est marqué, ouais, fonctionne avec la plupart des types de sacs en plastique. Scelle jusqu'à plus de 300 sacs en plastique sur une paire de piles. Et un verrou de sécurité. Donc on verra bien. Même pas 4€, donc ça va, ça reste raisonnable. Et j'ai pris couleur menthe en plus, c'était pas fait exprès. J'ai également pris des petits sacs à linge pour mettre dans la machine pour éviter que les chaussettes ne se barrent. Je voulais m'en servir pour les chaussettes, mais j'avais un autre truc aussi. Oh mais non, Tiki, commence pas, bébé. Il appelle son copain pour faire la sieste. Mais je crois que Oreo, il a pas envie de faire la sieste. Oh purée. Attends, je vais l'éternuer. Oh purée, sa grand-mère. Du coup, ouais, bref. Alors, c'est deux. Il y en a deux à l'intérieur. Deux petits sacs pour mettre dans la machine directement. C'était 69 centimes les deux sacs. Il y a une faute de français. Là, je suis nulle à chier en français, mais ça, je l'ai vu. Enfin, c'est pas une faute, c'est qu'ils ont interchangé deux lettres. Parce qu'il y a marqué spécialement conçu pour séparer le ligne délicat comme des chaussettes et des sous-vêtements dans la machine à laver. Pour protéger vos vêtements. Normalement, je crois que c'était le linge. Ils ont inversé deux lettres. Bon, bref, on s'en fiche. Il n'y a pas la taille. Ouais, c'est grand, mais. Tu vois? Ils sont grands. Ouais, pour mettre des chaussettes, des sous-vêtements, tous ces trucs-là, ouais. Mais je voulais l'utiliser pour un autre truc dans la machine, mais je sais plus ce que c'est. Bon, ça me reviendra quand ça sera l'heure de... Voilà, hein, on s'en fiche. Mais voilà. Il en manque une, je l'ai déjà utilisé, mais j'ai repris un petit lot de petites bougies chauffe-plat comme ça, parce que j'en avais plein des blanches.
Mais moi j'en voulais en couleur et en plus celles-là elles sont bon. Je savais même pas que ça sentait. Qu'il y avait une odeur sur celle-ci quoi. Ah oui, c'est marqué. Bah, j'ai pas lu, moi j'ai vu la couleur, couleur menthe. Alors j'ai foncé direct. J'avais pas vu que c'était parfumé. C'est marqué bougie parfumée, mais tu sais pas quoi. Bon, ça sent bon. Je sais pas ce que c'est. Enfin, y a des fleurs sur le dessin, donc ça doit être à la fleur. Mais c'est quoi comme fleur, je sais pas. Enfin bref, on s'en fout. Du coup, je vois s'il y en a 18 pour 97 centimes. Des petites bougies chauffe-plat. Dans mes couleurs préférées. J'ai également pris une nouvelle petite planche en tech. C'est du tech, hein. Ouais. Ouais, c'est du tech. J'ai pris le plus petit modèle, il y en avait un beaucoup plus grand. Mais le petit, ça me suffisait largement. Et le petit, c'était 2,79€. Et il a une forme de cœur, j'avais... Bah oui. Enfin, vite fait, hein. Voilà. Et du coup, moi, j'utilise ça pour mes petites plantes. Parce que j'avais une plante qui n'avait pas encore son petit support en tech. Et ça faisait couillon. Et bah maintenant, c'est bon, c'est réglé. Alors ça, c'est couillon, mais j'aime bien en avoir d'avance. Et j'en avais plus. J'en avais racheté la dernière fois, mais elles ont déjà été utilisées pour les bottes de mes filles. Ce sont des semelles. Donc là, il y en a un lot de deux. Des semelles anti-odeur. Ça, c'est génial. Tout le monde pue des pieds, alors ça tombe très bien. Et elles sont pas mal, hein. Franchement. Voilà, quoi. Et c'était 75 centimes les deux paires. Donc ça va du 24 au 46. Et t'as plus qu'à le découper à la taille qu'il faut. Et ça se découpe super bien, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Ensuite, on va passer à ce qui est un peu informatique, on va dire ça comme ça. Alors ça, c'est mon chéri qui a pris ça pour lui. C'est des petites cartes SD. Enfin non, c'est pour lire les cartes SD. C'est ça, hein. Un adaptateur. Pour les micro SD et les cartes SD. Pour les SIM portables, d'accord. Bon. Oui. Un kit adaptateur pour cartes SIM portables. Pour des nano SIM... Et des cartes micro SD. Bah oui, tu vois, je dis pas que des conneries, hein. Et comprend une broche d'éjection de la carte SIM pratique. Et c'était 96 centimes. Voilà. Et ça, je suis trop contente. Je l'ai enfin. Ça faisait un petit moment que j'en voulais. Et à chaque fois, j'en voyais pas. Et là, je suis tombée dessus par là. Et j'ai craqué. Une perche pour le téléphone. Pour faire des selfies. Le seul hic, c'est que le petit cordon qui relie la perche au téléphone ne correspond pas à mon téléphone. Donc du coup, il faut que je trouve un autre cordon. Parce que à mon avis, ça, c'est pour les téléphones et Apple. Alors que moi, c'est le S9, le Samsung. Et ça, il va pas du tout. Il faut que je trouve un autre petit fil. Après, je peux prendre mon chargeur de téléphone, mais le fil, il est vachement grand. C'est un peu couillon. Enfin bref, du coup, j'ai enfin ma perche télescopique. Depuis le temps que j'en rêvais d'en avoir une. Alors maintenant je l'ai. Je suis contente. Maintenant je vais passer aux produits de beauté. On va dire ça comme ça. C'est dans ce rayon là que j'ai eu tout ça en tout cas. Voilà. Donc j'ai repris un gel lavant pour les mains. Parce que je suis un peu folle dingue là dessus. Et je me lave les mains je sais pas combien de fois par jour. Et j'en avais plus d'avance. Et moi j'aime bien avoir plein de choses d'avance. Parce que j'aime pas être pris de court. J'aime pas ça. Du coup j'en avais, il m'en fallait un. Alors c'est le deuxième que je prends comme ça. Avec des petits léopards. Non, des tigres. Oui, c'est des petits tigres dessus. Ouais, c'est le deuxième. Et le premier que j'avais pris, c'était avec quoi, j'avais dit? Des petits chats. Ouais, ça reste dans les félins, quoi. Et celui-là, ils sont super bons, je l'adore. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Et il lave très bien les mains, j'ai pas eu de problème d'irritation. Bon, de toute façon, je suis allergique à rien, tu me diras. Mais c'est vrai que j'ai les mains assez fragiles, vu que je les lave régulièrement. Mais j'ai pas de problème avec celui-là. Donc, voilà. Pour se laver les mains, à 1€. Oui, 1,11€. Et je suis tombée dessus par hasard, ça va avec. J'ai la crème pour les mains. Parce que vu comme je l'ai dit, je me lave les mains régulièrement. Donc forcément, à un moment donné, mes mains sont un peu... Elles souffrent un petit peu à force de les laver. Hein. Donc du coup, bah, j'aime bien avoir une petite crème hydratante, rien que pour les mains. Et bah, ça va avec. Ouais. Et c'était 95 centimes la petite crème. Donc on va l'essayer. Celle-là, par contre, j'ai jamais essayé. Je suis tombée dessus par hasard. Donc on verra bien ce que ça va faire. Ce que ça va donner. Si ça hydrate vraiment ou pas. À utiliser aussi souvent que nécessaire. Bon, oui, mais il est quand même petit le tube. Hein. Ça va, c'était 95 centimes, mais bon, à utiliser aussi souvent que nécessaire, à mon avis, le truc, il va même pas me faire 2 semaines, moi. Même pas 1 semaine. Enfin, on verra bien.
Parce que oui, je l'utilise très 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 souvent. J'ai repris des mini petits élastiques noirs, tout classique, tout simple, pour quand je fais des tresses à mes filles, pour les attacher. D'habitude, j'utilise vraiment les micro petits élastiques tout noirs, mais à chaque fois dans leurs cheveux, ça casse, alors ça me saoule. Alors là, j'ai pris des plus gros. Pour 92 centimes, il y en a une cinquantaine, je crois. Ouais, c'est marqué 50 élastiques. Pour même pas 1 euro. J'espère que c'est du costaud. On verra bien, on va essayer. Pareil, dites-moi si vous en avez chez vous, que je sois encore plus frustrée. Ma fille voudrait que je lui achète des bigoudis parce qu'elle aimerait bien avoir les cheveux frisés de temps en temps. Bon, c'est pas très bien pour son âge parce qu'elle est encore jeune, mais quand on fait des petites soirées, je trouve que c'est sympa d'avoir les cheveux un petit peu ondulés vu qu'on a des cheveux raides comme des bâtons, nous. Mais j'arrive pas à trouver des bigoudis ou des trucs pour faire des bigoudis, quoi. J'en sais rien. Alors, est-ce que vous en avez chez vous? Que je sois encore plus frustrée parce que chez moi, je trouve jamais rien. C'est vrai que chez moi, j'en ai dans tout mon nécessaire de coiffure, mais ils commencent à être un petit peu... Ils sont vieux, quoi. Donc j'aimerais bien, c'est vrai qu'en racheter, ça peut être pratique. J'en trouve pas chez Action. Puis dans les autres magasins, c'est quand même pas donné, l'air de rien. Pour des trucs de vieille mémé, c'est pourri, hein. Je te jure, tu ressembles à rien avec des bigoudis sur la tête, mais qu'est-ce que ça fonctionne bien. Parce que moi j'aime pas les fers à friser, les fers machin, c'est la chaleur chaude, je déteste ça. Même les sèche-cheveux, je n'utilise jamais. Tout est naturel. Du coup, les bigoudis, bah, c'est pratique. Tu ressembles à rien, mais c'est génial. Bref, passons. J'ai repris des patchs pour les points noirs. Alors j'ai fait la couillonne. En fait, j'ai pas acheté les deux en même temps. Il y en a un que j'ai acheté une fois, puis l'autre après. Bref, on s'en fiche. J'ai pris des patchs ouais, pour les points noirs, mais je me suis trompée, j'en ai pris deux pour le nez. J'étais persuadée d'en avoir pris un pour le menton. Bah, c'est pas grave, hein, ça sera utilisé quand même. Mais quand chaque fois que j'y retourne, il n'y en a jamais pour le menton. C'est nul, hein. Donc là, j'en ai acheté deux patchs pour le nez. Donc il y en a un au charbon. Le charbon était plus cher, il était à 99 centimes. Et les classiques, ils étaient à 84 centimes. Il y en a 6 dans chaque. Donc là, je suis tranquille. Enfin, c'est surtout pour ma fille, mais c'est vrai que de temps en temps, je l'utilise parce que c'est rigolo. Après, t'as le nez, il est tout doux. Et moi, il est un peu... Il est doux, hein, mais... Avec ça, c'est encore mieux, quoi. Moi, j'aime bien, c'est rigolo, ça m'amuse. Ça me sert à rien, mais ça m'amuse. Voilà. Alors là, je suis trop contente quand je suis tombée dessus. Parce que chaque fois, j'en cherche et j'en vois jamais. Ça m'énerve. Et là, je suis tombée dessus. Il est un peu le packaging, il est endommagé. Il y a quelqu'un qui l'a déchiqueté. Mais je m'en fous. Il est encore là, il est encore intact. Alors, je le prends quand même. C'était le seul et unique. Il n'y en avait pas d'autre. Un eyeliner. Parce que moi, je peux pas vivre sans eyeliner. C'est pas possible. J'ai toujours mon. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et je commençais à être en rupture. J'avais plus d'eyeliner. Puis ça me faisait chier d'acheter encore un L'Oréal qui coupe la peau du cul, quoi. Du coup, moi, je vais essayer celui de chez Action. Et c'était 99 centimes le eyeliner, quoi. Non mais allô, c'est génial. Et c'est la seule et unique fois depuis je sais pas combien de temps je vais chez Action, j'en avais jamais vu. Il y a jamais rien chez moi, c'est nul. Alors là je suis tombée dessus par hasard, c'était le dernier. J'ai foncé dessus tête baissée, il n'y avait même pas le taille, le prix dessus. Je m'en fous, je le prends. Quand je suis passée à la caisse, 99 centimes, c'est une blague. Mais c'est génial! Pourvu que j'en retrouve! Enfin, si, ils sont bien. Voilà. Ah, il y a un taille crayon! Je sais pas si on va bien voir. Mais sur le petit bout, là, t'as une espèce de petite éponge. Et là, t'as un taille crayon. Bon, c'est un peu flou, hein, excusez-moi. Il veut pas faire la macro. La macro. Vas-y, laisse tomber. Et de l'autre côté. Ah merde, c'est un comme ça. Ouais, j'aime pas ça. Moi, je préfère au pinceau. Bref, voilà. Oh, il est bien. Il est pas noir intense. Mais il est bien. On verra bien. Voilà, j'ai un petit eyeliner. Ouais. Enfin, moi, pour moi, ça s'appelle pas un eyeliner. C'est un crayon. C'est de l'arnaque. Et pour finir dans ce rayon-là... Eh ben j'ai pris ça. Et en fait c'est pour moi je voulais juste celui pour le fard à paupières parce que j'en avais plus.
Le mien, il m'a rendu l'âme. Du coup, à chaque fois, j'étais obligée de mettre du fard paupières avec le doigt. Ouais, c'est chiant avec le doigt, ça me saoulait. Et ouais, je voulais juste le fard paupières, mais il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Après, j'ai vu celui avec le mode sirène. Non, c'est pas sirène. C'est plus des cordes de licorne, à mon avis. Tu vois lequel je parle? Mais ça me faisait chier, je suis putain, je vais pas, il y en a 4 à l'intérieur, il y a 4 pinceaux. Moi, je veux juste celui pour le fard à paupières, parce que les autres, j'en ai rien à foutre, je m'en sers pas du tout. Du coup, bah, j'ai pris celui-là. Tout simple, tout classique. Mais il est gros, moi, je sais pas, ça fait... Pour un fard à paupières, je trouve ça immense. Il est énorme, je trouve. Bon, on verra bien. Et il y avait aussi ceux en silicone, mais je sais pas ce que ça vaut, le silicone. Et c'est pareil, il y en a 4 à l'intérieur, puis je me servirai que du fard à paupières, donc... Je sais pas si c'est... Si... J'ai un doute sur le silicone quand même. Hein. Ça me paraît un peu chelou. Enfin bref. Pour le maquillage. Après lui, peut-être que je m'en servirai un jour. Hein, mais moi, je mets rien moi sur... Avant, oui, j'en mettais beaucoup. Maintenant, j'arrête. Le fond de teint, c'est terminé. Je suis pas un pot de peinture. J'ai les yeux très foncés parce que j'aime bien quand ils sont bien noirs. Mais je mets quoi? Je mets juste du crayon et de l'eyeliner. Le mascara, le fond de teint, le fard à paupières, tout le tralala, c'est seulement quand on sort. Et pas à chaque fois. Je fais le strict minimum. Et les mecs font encore un coup de tondeuse. Putain. Allez faire ça ailleurs. Et donc maintenant on va finir avec le loisir créatif. Donc le premier truc que je vais te montrer là, je sais pas moi qui l'ai acheté, c'est ma maman. Elle m'a dit tiens, je t'ai pris ça, tu vas essayer. Ok, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai un petit peu peur quand même, hein, parce que c'est pas n'importe quoi, hein. C'est un pyrograveur. Pour graver le bois, comme son nom l'indique, un pyrograveur. Alors tu peux faire le bois et le liège, mais le liège, je vois pas l'intérêt. Enfin bref, voilà. Du coup, par contre, elle m'a dit quoi? Parce que j'ai pas le prix. Je crois que c'est 5 ou 6 euros le pyrograveur avec 6 embouts, c'est ça? Combien il y en a dedans? Un support, 6 embouts à graver et 3 tampons à graver. Manche en plastique et cordon de 150 cm de long. Donc voilà, je vais essayer, mais j'ai un peu peur de faire des conneries moi. Parce que c'est pas rien quoi, merde, c'est, moi ça me fait peur. J'ai peur de faire des conneries. On verra bien. Alors ensuite, ça, je suis trop heureuse. Depuis le temps que j'en rêvais, ils les ont enfin fait. Ça, c'est génial. De la peinture acrylique métallique. Donc j'ai pris les 3 couleurs que j'ai trouvées. Je sais pas s'il y en avait d'autres. L'argent, le doré et le cuivre. Et ils étaient tous les 3 à 2,29€ le tube. Le grand tube. Hein. Combien? C'est marqué où? 250 ml. C'est des gros tubes. Hein. C'est quand même 2,30€ le machin, mais il y a de quoi faire, quoi. Je rêvais depuis longtemps d'avoir ce genre de couleur-là. Et ça y est! Ça, c'est génial. Donc, voilà. Après, le cuivre, il fait vraiment très, très rose. Il fait rose saumon, donc j'ai un peu peur. Je sais pas si à la caméra, ça redonne la même couleur. Mais ouais, on verra bien. Alors, je sais si j'ai... Je sais pas si tu te souviens que j'avais fait une vidéo DIY sur cette pâte. Et je t'avais dit qu'il me restait un pain entier de pâte comme ça. Sauf que mes filles, quand elles ont vu que j'ai travaillé avec cette pâte, elles me l'ont piqué. Elles m'ont dit, attends, on va faire rien, on va essayer aussi des trucs et tout. Du coup, bah, j'en avais plus d'avance. Et vu que j'avais d'autres idées à faire avec cette pâte-là, et bah, il fallait que j'en rachète un. Alors voilà, le pourquoi du comment. Et c'est 1,39€. La pâte à modeler qui sèche à l'air, qui a un effet pierre. Et j'adore cette pâte, franchement, moi je kiffe. Il y en a plein qui ont été déçus. Mais moi j'ai rien à lui redire, j'ai adoré travailler avec cette pâte. Et du coup, vu que j'ai trouvé des nouvelles idées à faire, et bah, j'en ai racheté une. Parce que l'autre, les filles me l'ont piqué. Alors voilà. Ensuite, j'ai repris un pistolet à colle chaude. J'en avais déjà un qui fonctionne très très bien, je n'ai rien à lui dire, c'était de la marque Cléopâtre. Sauf que c'est des mini bâtons de colle et j'arrive pas à en trouver partout des mini bâtons de colle. A chaque fois dans les partout où je vais, c'est des gros tubes de colle. Et ça rentre pas dans mon Cléopâtre.
Donc du coup je voulais un autre pistolet à coque chaude. Ouais. Apparemment j'ai entendu beaucoup de bien sur celui-ci. Il n'y a jamais eu de problème avec. Alors c'est très bien. Et c'était 2,99€. 3€ le pistolet à coque chaude. Et t'as deux petits bâtons à l'intérieur. Par contre quand j'y suis allée il n'y avait plus de recharge. Donc du coup j'en ai que deux bâtons de colle pour le moment. Par contre, ce qui est con sur lui, parce que Cléopâtre, j'avais un support pour poser le pistolet pour éviter que ça en foute partout. Là, il n'y a rien. Il faudrait que je fasse attention. Voilà. J'ai repris des stylos pour la calligraphie parce que les miens commençaient à être usés. Et puis, ben voilà. Donc, je cherche toujours. Il y a des couleurs que je n'ai toujours pas trouvées que j'aimerais bien avoir parce que là, en fait, j'ai que du noir. Celui-là, c'est du noir. J'ai du rose gold et de l'argenté. Et j'aimerais bien trouver du doré ou du... Je sais pas moi ce qu'il y a comme autre couleur, j'en sais rien. Bref, là j'ai pris les noirs classiques. Tout simple. Les feutres à calligraphie. Et je les aime beaucoup. Je m'en sers pas forcément pour faire de la calligraphie. Mais je les trouve bien, très bien. Alors voilà. Alors cette partie de vidéo, je l'attends un petit peu avant parce que le matériel que je vais vous présenter maintenant, et ben j'en avais besoin pour un projet. Bref, on s'en fiche. Du coup, j'ai acheté plein de petites fleurs comme ça, artificielles. Donc les fleurs en papier en forme de rose étaient à 84 centimes, le lot de 9. Les fleurs en velours étaient à 89 centimes. Les petites feuilles à 64 centimes. Et les fleurs en papier à 84 centimes. Je vous ai montré un peu tout ça dans le désordre par rapport à ce que je viens de dire, mais c'est pas très grave. J'ai bientôt fini, il me reste plus que deux. Un après celui-là. J'ai pris un lot de washi tape. Encore du washi. Ouais, je commence à avoir une collection. Oh, faut que je me calme avec le washi. Du coup, voilà, c'est une petite boîte. Il y en a, je sais pas combien dedans, c'est marqué où? 8. Ils font tous les 8, 3 mètres. Et c'était 1,59€. Voilà. Petit dernier que j'aurais pu mettre en tout début de vidéo avec le papier cadeau. C'est un set pour sur le thème de Noël. Voilà, je suis tombée dessus par hasard, c'est le seul et unique qu'il y avait, il n'y en avait pas d'autres. Et bah, il me plaisait bien, tout en noir et blanc avec des petites touches de doré et d'argenté. Donc c'est nickel, c'est les couleurs passe-partout, moi ça me va très bien. Donc voilà, dedans il y a des die cuts, des tags, des stickers, des jingle bells. Les petits gros lots. Des feuilles A5, des feuilles A4 et un petit cordon. Voilà, le tout pour 1,69€. Tout est bien rangé. Derniers achats chez Action. Ça y est, j'ai fini. Donc du coup, et ben, je vais... Je sais pas. Je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, voilà, ouais, la prochaine vidéo, ça sera le mois prochain. Parce que comme à chaque fois, il y a une vidéo All Action tous les mois. Voilà. Et souvent, c'est le lundi. Ouais. En plein milieu du mois, souvent. Voilà.
Bref, du coup, c'est tout. C'est tout. C'est tout, 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 tout. Ouais, j'ai fait tout le tour de mes derniers achats chez Action, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est cool, ça, comme même, de dire ce genre de choses pour ce genre de vidéo. Si jamais j'ai trouvé des choses que tu n'as pas trouvées, n'hésite pas à me le dire, que je sois un peu moins frustrée de ne jamais rien trouver chez moi. Hein, ça serait cool. Si j'ai trouvé des choses que toi, t'as jamais vues. Ça m'étonnerait, mais bon. Oh, puis j'arrête de parler parce que je crois que j'ai assez parlé comme ça et on va couper court à cette vidéo. Je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve le mois prochain pour une autre vidéo haul action ou sinon alors vendredi même pour une autre vidéo. Tu verras, c'est la surprise. Et puis en attendant, eh bien, je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye.